atomic particles traveling near the speed of light do decay more slowly than stationary particles. As strange and counterintuitive as it seems, time dilation is a law of nature. Bonsoir les amis, je vais baisser le son, on va le couper carrément. Bonsoir les amis, comment allez-vous? On va pleurer, la session commence dans 2 minutes 58. Et pourquoi je vais pleurer? Parce que voilà. Ils ont décidé de mettre en split 1. J'hallucine total. En gros, split 1, on va regarder un petit peu l'entreviste dessus. Déjà, j'ai plaqué 23. Et il y a que du gros elo du silver, du rookie. Il y a que du gros level. Ça va être de la merde. Ce qu'on va faire. On va faire quand même la course, on va pas abandonner. C'est la première fois que je suis en split 1. C'est super cool, je suis super content quand même. Je sais pas comment on va s'en sortir. Je vais pas prendre de risque, ça c'est sûr. Le but du jeu, le moins de dégâts possible. Et le moins de fautes possible, surtout pas de faute. Les gens vont se sortir tout seuls. Faut que je sois patient. Voilà. Un elo multiplier
multiplier de 1,7, ça c'est plutôt cool, parce que tu as 841 de Elo, un SR de 4,83, donc voilà, le décor est planté, bon speed va être celui-là, vraiment pas de bol, pour moi, en speed 2, comment ils sont mis en speed 2? En speed 2, alors, il y a des... Je comprends pas pourquoi il me mettait en speed 1. Je comprends pas du tout. Enfin bon, bref. On verra bien. On verra bien, on va laisser placer le serveur. Honnêtement, je stresse. Là, je m'attendais pas à faire une course en speed 1 ce soir. Je n'étais pas prêt. Faut savoir que j'ai fait mon meilleur temps de 2.05 tout à l'heure, donc j'ai amélioré mon temps, mais bon, voilà quoi, c'est un temps sur un run vite fait, enfin bon, voilà quoi, j'ai juste eu le temps de faire en fait mes pressions, en fait j'ai juste réglé mes pressions vite fait. Hors cam, c'était pas très intéressant pour vous. Enfin voilà. Bon, allez, on va couper la musique. La musique ne nous intéresse pas vraiment pour l'instant. Boum, sans ralenti. Ça, je vais le mettre là. Vu que la session va pas tarder à démarrer, je vais copier ceci. Hop, ça. Hop, je vais faire ici le tour. Tour en speed 1, super. Speed 1, boum. Ah, évidemment, si je rentre pas le bon mot de passe, ça va pas aller. Là je stresse, là franchement je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien, mais bon. On va charger le setup déjà pour commencer. On va pas stresser, charger. Voilà. Adhérence mécanique, stratégie, utiliser ça. Il faut aller sur les autres sessions. Ils ont fait combien de tours? Ils ont fait 22 tours. 22 tours. 22 tours. Et moi, avec ça, j'en fais combien? À l'heure actuelle, ça me dit pas. Super. 22 tours. Configuration. Configuration actuelle. Carburant et stratégie. 3 litres 9 par tour. On verra. Je vais regarder à l'issue des qualifs comment je peux avoir mon truc bien comme il faut. Je suis plaqué 23, donc je suis plaqué 23 sur 22-3, je pense. J'ai pas regardé d'ailleurs combien on était sur le split. En split 1, on est combien en split 1? Je suis là de suite. Bon, on va aller faire des petits tours, on va attendre un petit peu que ça passe. Ouais, je suis revêt 3, donc je suis vraiment le dernier du split. Allez, c'est parti. Rien ça. Hop. Oh.
faire 2-3 tours pour chauffer la gomme quand même. Hein. Histoire 2. Mais là, Spitter, ça va être vraiment tendu. Allez. Le but du jeu, faire une bonne qualif. Alors, 61 litres, une bonne pour 15 tours. Ouais, je pense qu'il va remettre 60 litres derrière, hein, en refuel. Histoire d'être bien. Clairement plus rapide que moi, donc c'est pas à peine de et taper pour l'instant ça va, mais j'ai pas trop tiré sur mes gommes. Vas-y, va juste mettre une marque tranquille. Froid encore les gommes, même si la traction, je sens qu'elles sont un petit peu limite à température, mais c'est en roulant que je vais mettre la curve dans la gomme. Allez, on a un tour clair. Première remarque. Les pneus à droite, peut-être un petit peu chaud. On va peut-être les laisser à peine un petit peu. Je sais que je peux faire beaucoup mieux. La corde, dommage.
malgré mes temps, je pars pas en speedrun. Dernier, c'est ça qui me fait halluciner. C'est que pour l'instant, je suis pas trop mauvais. Classé 13e. Eh, c'est pas grave. On va aller faire un tour de plus. Redescend un petit peu après sur les nœuds, ça sert à rien de les faire un peu surchauffer. Il est pas cassé la voiture, enfin je pense pas. Il fait un retour back to pit. Dans le doute, vaut mieux. Faire vraiment back to pit, vaut mieux. Est un de 2.06.1 officiel qui réussit à faire un 2.05, mais j'ai cut au dernier moment sur le dernier virage, donc j'ai pas pu le valider vraiment. Pas trop, essayer d'être concentré pour essayer de garder la voiture sur la piste. C'est pas vraiment la piste la plus facile pour streamer des courses, on dira. On va faire deux tours qualifs à peu près. Alors, l'avantage, on va partir derrière, donc on va pas trop nous ouvrir la gueule au départ. Maintenant, j'aimerais quand même partir un peu plus devant par rapport à ma plaque. Je suis 23e, ça m'arrangerait d'être un peu plus haut. Si jamais il y a des gravures comme ça, je ne descendrai pas trop au classement.
positionner une voiture que tu maîtrises pas tout à fait la Porsche. Je prends aussi un risque. Encore un petit peu timide sur l'accélération. C'est normal, je suis pas en confiance tout à fait sur ce tracé non plus. Même si j'améliore mon chrono. Alors c'est mort, je n'améliorerai pas. J'ai fait une connerie. Je me déconcentre à faire. Je suis à 45 secondes des meilleurs temps. 5 secondes 2. Alors on va préparer la stratégie de course. Carburant et stratégie. On va remettre 60 litres. On verra bien, hein. Non. Tout de suite, je vais baisser de 3 ici. Si je vais baisser de 1 ici, 1, 2, 3, ici, 1, 2. Carburant et stratégie, hop, boum, voilà. On va le sauvegarder. Oui, histoire 2. Alors, on part 19ème, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas roulé. Donc, tous ceux-là déjà ont roulé, je pense, plus fort que moi, ça c'est clair. Parce qu'il y a un paquet d'eux déjà. Eux, ils sont en requête que pour remonter leur élo. Je dis clairement, eux, ils vont passer. Moi, je les laisse passer. Je préfère qu'ils passent et qu'ils se tapent tout seuls. Que moi, tenter de me retrouver dans la mêlée et perdre mon SRA. Ça va être ça le plan. Je vous gâche pas que le stress monte là. Le meilleur temps est de 2-0-1. Moi je suis à 2-6. J'ai 5 secondes 2. J'ai amélioré mon chrono, ça va. Mais ça tourne assez vite. Mais on va finir après vous. Super bien. Si je rentre dans les 15 premiers, je serais content. Franchement. Je serais très content. Hein. Ça serait une belle performance pour moi. Classé 20e. Donc on n'oublie pas un arrêt au stand obligatoire. On va faire le setup. On va regarder quand même 62, et ça c'est bon, très bien. Retour. Moi ça me va. Donc on fait chauffer les pneus.
Et on voit. Je changerai les pneus aussi, comme ça je pourrai attaquer le plus possible en seconde partie de course. On a pas beaucoup de. On a pris 9 kilos en moins de ballast. La Aston Martin a pris 20 kilos de ballast en moins. Par contre, la McLaren a pris 26 kilos. C'est énorme. Elle est pénalisée, c'est énorme. Tout comme la Lambo. Il n'y a pas grande Ferrari. La Ferrari a pris moins 15 kilos de ballast. Allez, tour de chauffe, le tour de formation, tour complet. Stay single file. Fait les freins. Alors les premiers instants de course, je vais peut-être pas commenter de suite de départ puisque je serai dans l'action. Vous oubliez que moi je suis sur la ligne droite.
Allez. On est parti, let's go. Il voudrait bien t'attacher. Départ prudent, c'est le mieux. Pas la peine d'aller mettre la pression inutilement. C'est bizarre, le départ est assez propre. Pas eu de contact apparemment, ou alors s'il y en a eu, s'il n'y a pas eu de sortie de piste. Alors lui il est sorti, je sais pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il est pas du tout en confiance avec sa voiture. Je sais pas plus que lui, remarque. Car on the left. Laissez passer. Allez, laisse passer lui aussi, on va être plus intelligent. Ça sert à rien de forcer. Rythme. La belle attaque de la Ferrari. Pas trop mal le passage là. Soyons prudents, c'est tout ce que je cherche. Je vais pas forcément me retrouver avec des dégâts sur la voiture inutiles. Si je peux tourner dans mes meilleurs temps.
tant que j'arrive à suivre, j'ai un petit peu d'aspiration, ça me va. Je rappelle, on est en splitter sur Bathurst. Ah, on va perdre contact là, on a fait une petite erreur. Allez, c'est pas grave, on rattrape. Deux qui sont plantés, je vous l'avais dit. C'est une course où il va falloir être patient. Mon pire ennemi, ça va être moi. Il va être mon pire ennemi. Faut pas vouloir trop en faire. Il va falloir que je me raisonne. Allez, c'est pas mal. Pour l'instant, on s'en sort bien. Très bonne sortie. Allez, j'ai encore amélioré mon temps, ça c'est bien. Je me rapproche de mon temps idéal. C'est pas mal ce temps. Derrière, ça se rapproche. Mais c'est encore loin.
non. Je peux rien faire pour éviter malheureusement. Je peux vraiment rien faire pour éviter. Alors il y a quelques dommages je pense. De la course, on peut pas me reprocher grand chose. Je me retrouve dans un domaine sans entre le mec qui est devant moi plus rapide. Et les gars derrière qui sont plus lents que moi. Allez, je te laisse passer. C'est plus rapide, ça sert à rien que tu me... Je te ralentis ça. C'est pas ma course. Là, je suis en train de faire mon meilleur temps. Et ça, c'est plutôt cool. Ça se passe pas trop mal pour moi. Certes, j'ai pas le rythme des mecs devant, mais
mais ma place est assez on va dire est assez logique, je fais pas d'erreur. Assez propre sur ma conduite, assez safe aussi, et ça paye. Donc ça dure comme ça. Ah, ça passe plutôt pas trop mal. J'essaie de pousser mon relais jusqu'au bout pour voir si le mec derrière va, les mecs derrière vont s'arrêter avant moi ou pas. On va essayer de garder cette deuxième place, c'est pas mal. Les mecs devant qui rattraperaient pas, ça c'est clair. Parce qu'ils rattrapent, ça ne veut pas qu'ils s'arrêtent. Mais derrière, j'aimerais bien qu'ils s'arrêtent aussi un petit peu. Ça m'arrangerait.
Ah, pour l'instant ça se passe pas trop mal quand même. Je suis assez content de moi. Ah, j'ai fait une erreur, dommage hein. C'est la première erreur que je fais. Après plus de 20 minutes de course, c'est pas mal. Allez, devant moi ça fait des pits, c'est bien. À moi de pousser maintenant et m'arrêter en suivant. Top 10 pour l'instant, c'est pas dégueulasse. Ouais, je m'arrête un peu pour faire une pause. Que j'ai poussé là, ça va être c'est tout gâché. Fait des erreurs, j'ai mal tourné, autant que m'arrête. Arrêt et on repart. Pas trop mal. Ah, pas bien placé. J'ai perdu du temps. On va redescendre un petit peu le pulse. Ça fait du bien. Va prendre un tour, ça c'est normal. Ah, c'est le moment où le leader rentre, donc je perds même pas de tour. Ici le leader après tour. De place, mais c'est pas grave. J'ai de quoi aller au bout de la course. Yellow flag in sector 2. Allez, maintenant on va au bout. Let's go. Essayer de faire en sorte de ne pas casser la voiture.
l'impression que la voiture a couru plus, donc j'avais vraiment les pneus radoncis apparemment. J'avais trop forcé sur mon pneus de gomme. Allez, on continue. Slow car ahead. Je suis pris pour mort sur ce... Avec le 16ème, 17ème au cul, au basque comme on dit. De se mettre en tenant sur le meilleur chrono, mais ça pas très évident. Hein. Ils ont l'air de rouler beaucoup plus vite que moi. Après, on va pas se battre inutilement non plus. This is beautiful.
4 de voir pour 2-0-5, c'est pas mal ça. Je vais la glisser un petit peu sur ce virage. Pas grave. Je vous serai en fer. C'est vrai que ça va m'arriver. Derrière ces drapeaux bleus, j'ai 8 secondes avant que le 18ème arrive. Pas trop mal réussi mon coup pour l'instant. Si je finis 18ème, c'est pas la fin des haricots, mais au contraire, c'est une belle place pour moi aussi. Et un splitter, c'est vraiment pas dégueulasse. Je suis fier de moi. Si je finis pas dans les premiers. C'est du coup très propre, du bon boulot. Je me bats avec mes armes. Et salut rayon de soleil. Comment vas-tu? Pas peine d'essayer de la perdre, pas peine d'essayer de surconduire, ça sert à rien.
Écoute, ça va plutôt pas mal, même si là je suis en train de me battre avec le circuit. On va pas se battre inutilement avec lui. J'espère que le spectacle te plaît. On va laisser passer, vas-y passe. Ça va de se battre, il est plus rapide que moi. Attends qu'il s'approche un peu quand même pour lui laisser le tour. Merci pour l'encouragement. C'est très agréable de ta part. En étant sur Twitter, c'est quand même une belle performance. Ah, tu touches, c'est pas grave. Pas être raisonnable, faut pas laisser passer là, allez ouvre, passe. Car on the right, clear on the right. J'essaye de leur faciliter le passage, mais c'est pas évident. Au bout de 45 minutes de ce circuit. Bonne surprise pour moi. Pour le coup. Je vais être au minimum 18ème. Ça c'est cool. Au mieux. En partant en 20ème, c'est pas dégueulasse. Sur ce circuit qui est loin d'être facile. Là. Par contre, sur la cité glissante, je suis vraiment planté. Parce qu'il y a encore 60 litres, c'est vraiment trop. Ça pour une prochaine course sur Bathurst. Ah mais dommage pas P9, non il fait des erreurs. Mais il fait deux petites erreurs. Après les mecs devant moi sont bien plus rapides que moi. En tout cas je te remercie de mes encouragements. C'est une première en course en speed pump pour moi sur LFM, donc le niveau est assez relevé. Faut savoir que je suis quand même entre 5 et 6 secondes des meilleurs temps des aliens sur LFM, donc j'ai pas le choix, il faut que j'y arrive.
En tout cas, Jérôme 62, je te remercie d'être passé. Et si tu veux voir du contenu, n'hésite pas à follow la chaîne. Mon objectif est tout simplement d'arriver sur les endus de l'FM en 3 heures. On verra aussi ce qu'on gagne en SR et Elo aussi. Ça va être assez intéressant sur cette course de regarder. Ah, je glisse un petit peu, dommage. Slow car ahead. Plus qu'un dernier tour à faire et merci pour le follow. Merci beaucoup pour l'encouragement, c'est vraiment sympa, ça me touche. Ah, attention, sur virage, dommage. Touche un petit moment de concentration. Je crois que j'ai cramé mes gommes. Mais bon, 17ème c'est une bonne perf. Je pars 20ème, faut le rappeler. Il est en plaqué 23. Le petit à la fin, le petit dépassement de l'arcère, alors que finir juste en haut, hein. Ça fait que finir 16ème, ça c'est cool. Merci beaucoup, c'est gentil. Hop, alors déjà retour garage.
Confirmé. Rediffusion, on va la sauvegarder. On va aller voir le... On va aller voir ce qu'on va gagner en SR hein, si un petit peu. Ça serait pas mal. Sachant que j'ai commencé la course, c'était à 4,83. 8,41 de l'eau. La page du non. Les résultats sont toujours pas parus. Les courses sont faciles. J'aimerais bien avoir un départ en fait, parce que le départ était assez safe de tout le monde. Même sur ce circuit, même si en Twitter, je suis assez surpris. Je veux pas l'avoir le... Ah, je veux pas l'avoir, c'est dommage. Le T1, je veux pas l'avoir. Hop. Ils ont fermé le truc. Alors on va se mettre ici, tranquillement. Ça on va le mettre ici, boum. Ce qui nous intéresse c'est ici. Les résultats sont toujours pas parus, putain c'est sérieux. Ça par contre pour avoir les résultats c'est toujours très long chez LFM. Je referai pas d'autres courses en tout cas, ça c'est clair ce soir, j'ai trop... J'ai trop souffert, on va dire, entre guillemets. Oh, j'ai perdu. T'es sérieux, je suis à 4,71 de SR. Oh, pourquoi j'ai perdu autant? Reste une session, je vais aller voir pourquoi j'ai perdu. Oh, ça saoule. Hop. J'ai 20 points, j'ai 30 points d'incident, je perds 0,12 points de SR. Bon, c'est la haine. C'est la haine parce que la course sur elle-même elle est pas si dégueulasse que ça quoi. Enfin bref, bon. Bon sur ce, je vais vous laisser ici. Le niveau était pas dégueulasse parce que quand on voit que le leader fait un meilleur temps en 2-0-1 en course et la qualif est en 2-0-1-7, c'est bon. Moi je suis loin, hein. Mon meilleur temps est en 2-0-6-3 sur la course donc j'ai pas validé 2-0-5 donc voilà. Je suis vraiment très content de cette course là. On retentera notre chance dimanche, je pense, dimanche soir sur Bathurst, avant de voir la semaine prochaine, je ne sais pas où c'est, on va regarder ça de suite. Donington, c'est pas le plus facile pour moi, on verra bien. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous de dimanche soir à 21h. Pour la course justement, LFM en 45 minutes encore sur Bathurst, on va refaire la revanche. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Là. Attendez, hop là, bougez pas. Ok. Là, il y aura une rediff du stream sur la chaîne Twitch.
donc sur la chaîne YouTube, donc dès demain sur la chaîne Mounies Gaming. Je vais vous mettre le lien de suite d'ailleurs. Donc j'y suis, hop. Si ça veut bien charger. Hop, on va prendre ça. Hop, on va faire ça. Je mettrai le rediff sur cette chaîne-là. Allez, checker. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.